Hello, welcome. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, à New York exactement. Et oui, les producteurs, les dirigeants de la chaîne ont enfin compris le potentiel qui est éteint. Et ils m'ont envoyé ici, in the USA, New York, la capitale du hot dog. Arrête, John. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ridicule. Tu vois bien que c'est pas à New York. Mais Franco, je t'avais demandé de faire un plan serré. Évidemment, maintenant, c'est ridicule, c'est loupé. Ah oui. Bon, on est à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est pas mal non plus. Saint-Cyr-sur-Mer, c'est le camping que ce village évoque. Nous sommes allés rencontrer Béatrice Michaud, qui est la patronne du camping du Port d'Alon, un camping 2 étoiles. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a de si différent des autres campings? Ah ben justement, c'est pas un camping qui est super luxueux. Les gens qui viennent ici, bon, viennent pour la nature. Et la verdure. La verdure, le contexte, bon, il y a des calanques à 400 mètres. Et des fois, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a dans votre camping, je dis ben, c'est un camping comme on trouvait dans l'état d'esprit des campings d'avant, chose qui est rare. Jeff, tu vas où là? Bon, Viviane, oui. Tu passes ton 6 mois par an dans ce camping. Pourquoi? On a envie de te dire, tu as été condamné, tu... Non. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires? Oui. Très bien. Ça m'intéresse. Moi. Oh, le rentre dedans qu'elle peut faire. Mais non, c'est pour rigoler. Non, j'en ai vu une qui campe là-haut. Ne me le passez pas, ça. C'est quoi votre quotidien? Ici, le quotidien, à votre mari, c'est pas... Le matin, j'ai l'impression que c'est tiercé. Il y a tiercé. Flore, vous êtes breton, bon, c'est pas grave. Non, vous pouvez rester. Oui. Vous venez ici, alors, un mois par an et toujours en septembre? 2 mois. Deux mois quelquefois. On en vient mai, quelquefois. Et septembre. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites en juillet et août quand tout le monde est en vacances? Nous, on est chez nous, on reste à la maison. Je suis avec Johnny, un ami hollandais. Johnny, qu'est-ce qui vous plaît ici, dans ce camping? The camping is leuk and klein. Leuk en klein. Leuk en klein. En we worden hier altijd zeer hartelijk ontvangen. Zeer hart? Hartelijk. Ah. On est à 100 mètres de la mer. Là. Ouais, mais c'est pas une vraie mer là-bas. Oh non, tiens, elle est aussi belle qu'ici. Elle est verte, il fait... Elle est verte. Elle est froide. Oh non. Elle est fraîche, disons. Ouais, on peut pas dire qu'elle est froide. On fait beaucoup de pêche à pied, tout ça. Vous pêchez quoi, le phoque là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, les pingouins, qu'est-ce qu'on attrape? Problème? Als er eens een keer een probleem, misschien eens een keertje elektriciteit, een koppeling, of een stekkertje, of zulke dingen. Maar normaal zijn hier geen problemen. Er zijn niet? Nee. Pourquoi tu viens toujours ici? Ici. Parce qu'on respire bien, déjà. On est au calme, des petits oiseaux. Mais entends. L'apéritif, c'est royal. Ici, c'est... Ah, oui. Il faut qu'on prenne l'apéritif. Mais vous buvez quoi? Du whisky de Charente? Du whisky. Du whisky? Ouais. Pas de pastis? Et ma femme, du punch. Du punch. Que je fais? Vous faites du punch vous-même? Bah, ouais, oui, vous voulez le goûter? Bah oui. Vous voulez? Ah ben volontiers. Mais ça me paraît évident. Ouais. Et puis alors attention parce qu'on est des alcooliques, nous. Hein. Ah ben ça fait rien. Bah, faut pas nous la dire deux fois. Hein. Bah, comme ça, à 4, on sera 6. Comment on dit merci en ta langue? Ik dank u. Dank u? Dank u wel. Bon ben voilà, c'était Saint-Cyr-sur-Mer. On ne peut pas partir de Saint-Cyr-sur-Mer par contre sans avoir mangé une glace de chez Popol, le délicieux glacier qui se trouve sur le port. Jeff, j'ai une tâche. Où ça? Là.